Monsieur Zahim Bensassi, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été réélu à la tête du Conseil national consultatif de la promotion de la PME. Aujourd'hui, la PME constitue à travers le monde plus de 90% des entreprises qui sont des PME, petites et moyennes entreprises, qui emploient jusqu'à 80% de la main-d'œuvre. En Italie, toute proche, le tissu productif est constitué à 100% de PME. Booster la petite et moyenne entreprise, la promouvoir. L'Algérie a-t-elle atteint ses objectifs? Créer 2 millions de PME ou alors on est loin encore de cet objectif? Monsieur Bensassi. Non, ce que vous dites est vrai. À travers le monde, la PME constitue vraiment le fer de lance de l'économie. Et pour preuve, vous avez cité l'Italie, on peut citer aussi l'Espagne et d'autres pays asiatiques où les PME et TPE se comptent par millions. Bien, chez nous, nous n'avons malheureusement pas atteint l'objectif escompté, à savoir 2 millions de PME. On en est loin encore et il faudrait beaucoup d'efforts, il faudrait une véritable stratégie à mettre en place pour faire de cette TPE ou PME vraiment des acteurs actifs au niveau de l'économie. Alors justement, vous déclarez à l'instant qu'on n'a pas atteint cet objectif de réaliser ou de créer 2 millions d'entreprises. Nous sommes à peu près en chiffres qui nous sont communiqués, l'équivalent de 800 000 PME. Pourquoi ce retard? Et quel est le rôle de l'ANDPME, l'Agence nationale de développement de la PME, aujourd'hui pour la promotion de la petite et moyenne entreprise? Non, je ne pense pas qu'il faille incriminer une agence d'ailleurs qui s'est occupée uniquement de la mise à niveau des PME, mais je pense que c'est tout un ensemble, c'est l'affaire de tous. La création ne se fait pas par décret, c'est toute une stratégie à mettre en place, ce sont des aides, ce sont des filières à développer, c'est toute une politique qui doit être mise en œuvre. Et je pense que actuellement, il y a de gros efforts qui sont faits par le ministre chargé de la PME, le ministre de l'Industrie et des Mines. Il faut saluer cet effort, mais les résultats ne vont pas être, à mon avis, immédiats. Mais par contre, ce qu'il faudrait peut-être entreprendre, c'est de revenir vers le développement local. Il y a eu un rapport qui a été fait par le CNES en ce sens. Il faudrait absolument qu'il y ait ce développement local. Il faudrait qu'on ait une véritable cartographie de la PME, ce qui existe, quels sont les bassins où l'on peut créer des entreprises. Il faudrait l'implication aussi de tout le monde, des élus locaux notamment, que ce soit le président d'APUI, le WALI, les présidents d'APC. En un mot, il faudrait que la PME soit un projet de société. Alors, c'est l'affaire de tous. Quelle stratégie mettre en œuvre aujourd'hui concrètement pour atteindre les objectifs qu'on s'est déjà fixés en 2007? Oui. Les 2 millions, c'est depuis 2007, monsieur Bensassi. Malheureusement, quand il y avait beaucoup d'argent, on ne s'est pas peut-être préoccupé suffisamment du développement de la PME. Maintenant, ça devient une nécessité. Le temps joue contre nous. Et il faudrait qu'on puisse sortir de ce guépier, on s'est laissé aller, et il faudrait apporter les réformes nécessaires pour qu'on puisse ensemble, mais vraiment c'est une affaire de tous, et aller vers des créations, que ce soit des petites entreprises ou des PME. C'est l'affaire de tous. Nous sommes dans un contexte où nous devons créer de la richesse hors hydrocarbures. Oui. Il faut prendre cette question vraiment au sérieux. Aujourd'hui, selon vous, on en parle depuis des années. Non. C'est maintenant que la question se pose. C'est maintenant qu'on commence à réagir. Et c'est maintenant, effectivement, qu'il faut prendre des mesures. Il faut apporter les réformes nécessaires. Il faudrait accorder un peu plus d'attention aux créateurs d'entreprises. Il faudrait les aider, il faudrait les accompagner, il faudrait assouplir les règles d'octroi de crédit, il faudrait les aider dans tous les domaines, en terminer avec la bureaucratie. Il faudrait aider aussi les entreprises productrices, les entreprises qui existent et qui produisent doivent être aidées dans tous les domaines, même si on doit réduire leur fiscalité. Et tout c'est tout cet ensemble.
La stratégie mise en œuvre aujourd'hui va dans ce sens, monsieur Bensassi? Moi, je pense que qu'elle va aller dans ce sens, d'autant plus que le ministre en charge de la PME est en train de faire du bon travail. Et pour preuve, la sous-traitance, par exemple, va être, je crois, au premier plan, puisque nous avons maintenant des constructeurs, notamment dans le domaine automobile, qui s'installent, et le développement de cette sous-traitance passe par la création d'unités de production dans ce domaine. Et il faudrait là aussi beaucoup d'efforts. Il faudrait d'abord faire un travail de formation. On en a beaucoup besoin. Formation dans tous les domaines, la formation professionnelle, la formation d'ingénieurs qualifiés. Et si on n'axe pas une politique de formation adéquate, on aura des problèmes pour trouver de bons techniciens, de bons gestionnaires au niveau de ces futurs TPE ou PME. Alors, parmi certaines critiques pour la création de petites et moyennes entreprises, certains considèrent que les banques sont un véritable handicap. Les banques publiques ne financent, selon certains, que 30% de projets. Pourtant, il y a la caisse de garantie d'investissement dotée d'un capital de 30 milliards de dinars. C'est-à-dire, en cas de risque ou disparition de cette entreprise, les banques peuvent récupérer leur argent. Pourquoi les banques sont aussi frileuses aujourd'hui? Pourtant, il y a eu quand même une certaine relance pour le financement de l'économie. Il y a eu, un certain effort fait par les banques. Mais l'existence de la caisse de crédit de garantie ne veut pas dire qu'on a terminé avec les exigences bancaires, à savoir les garanties qui sont demandées. Ce qu'il faudrait, à mon avis, c'est de revoir au niveau de la Banque d'Algérie les règles d'octroi de ces crédits. Les banques ont des procédures qu'ils doivent respecter. Peut-être revoir cet ensemble pour qu'il y ait une amélioration dans ce sens. J'ai eu l'occasion d'en toucher deux mots au ministre des Finances. Bon, il m'a dit qu'effectivement, il y a un effort à faire et qu'il ne manquerait pas de contacter les banques. C'est son problème. Alors, mais justement, par rapport à cette question que vous êtes en train de soulever, revoir les règles d'octroi des crédits, qu'est-ce qu'il faudrait revoir pour financer davantage aujourd'hui la petite et moyenne entreprise? Puisqu'aussi, il faut dire que dans le tissu actuel, dans les 800 000 PME, pratiquement 80 ou 85%, c'est des TPE, les toutes petites entreprises. Oui, oui, ce sont des TPE, appelées peut-être à devenir des PME. Des lions, sans gazelle, peuvent devenir lions. Les banques ne suivent pas, si vous voulez, un investisseur dans l'octroi de crédit sans certaines conditions et garanties, on le sait. Les banques sont tenues, comme je vous le disais, par des procédures aussi, on le sait. Maintenant, est-ce qu'il faut revenir sur certaines règles prudentielles, genre Bâle 1, Bâle 2, Bâle 3, c'est à la Banque d'Algérie de prendre les dispositions nécessaires pour que les banques ne soient pas sous une contrainte permanente de ces procédures. Prendre un risque économique? Pourquoi un pas? Un risque partagé? Oui. Entre opérateurs et banquiers? Eh bien, ce serait une très bonne chose. Et ça pourrait booster l'économie. Il faudrait qu'il y ait une implication, et pourquoi pas, parce que en définitive, quand la banque octroie un crédit, elle est associée au producteur, au créateur de l'entreprise. Ça devient même son associé. Pourquoi pas faire le chemin ensemble? Ce serait une excellente chose dans le cadre d'un partenariat, puisque nous avons des dispositifs qui existent, genre FGAR, genre caisse de crédit garantie que vous avez cité, ce serait une excellente chose qu'au niveau des banques, il y a effectivement un accompagnement réel de l'investisseur. Donc en termes clairs, nous avons tous les outils nécessaires pour booster la PME. Il faudrait commencer à les mettre en œuvre, tout simplement. Il faudrait commencer à les mettre en œuvre. Ce seront peut-être des décisions politiques importantes, innovantes, nouvelles. Mais la situation économique telle que nous connaissons ne
demande effectivement qu'on aille dans ce sens. Et pour preuve, je vais vous dire, ce qui manque malheureusement chez nous, c'est que quand il y a une faille à un certain niveau, il n'y a pas de sanction prise. Sauf que on vient d'apprendre, par exemple, les mesures qui ont été prises par Bouchoual, ministre de l'Industrie et de l'Énergie, concernant deux cadres qui n'ont pas été à la hauteur et qui ont été limogés. Et c'est une très bonne chose. Ça va permettre, justement, à chacun de prendre ses responsabilités. L'obligation de résultat doit être déterminante. L'obligation de résultat. Et puis, en plus, celui qui prend en charge une responsabilité doit la mener à bien. Doit l'assumer. Alors, le foncier, autre obstacle. Est-ce que vous pensez que par rapport aux mesures qui sont prises aujourd'hui, cette contrainte est en train d'être levée aujourd'hui par rapport à la réalisation de parcs industriels à travers tout le territoire? Bon, effectivement... Avec l'actuel, bien on sûr. On a effectivement annoncé la création de zones industrielles qui sont en partie en cours. Mais les gens veulent tous investir au nord. Or, dans la zone côtière, il n'y a presque plus de terrain. Alors, aller vers des zones, par exemple les hauts plateaux, et au sud, pourquoi pas, pour peu que les conditions aussi soient réunies, à savoir l'électrification, à savoir tout cet assainissement qui doit être fait et qui coûte cher, et qui doit être prise en charge, à mon avis, par l'État. Et à ce moment-là, on aura créé des zones industrielles, mais pas n'importe où. Il faudrait que ce soit fait dans le cadre d'une étude. Il faudrait, comme je vous le disais, si on arrive à voir la cartographie des PME existantes, on aura connaissance des bassins dans lesquels on pourrait investir. Et en définitive, la cartographie n'est qu'un élément de la stratégie de développement de la PME. Mais quand vous parlez de cette cartographie des bassins de création de petites et moyennes entreprises, est-ce que ce n'est pas quelque part aussi le rôle du Conseil national consultatif de la promotion de la petite entreprise qui devrait prendre cette initiative pour réaliser cette carte? Vous en avez déjà parlé il y a 2 ans pratiquement. Vous deviez le faire. Oui. Et jusqu'à ce jour, ça n'a pas été réalisé, Monsieur Bensassi. Bon, ça n'a pas été réalisé parce que effectivement, on s'est inscrit depuis 2012. Dans un cadre d'un programme de la Banque africaine de développement. On vient d'être retenu sur 3 points, à savoir la cartographie, la disposition d'une banque de données au niveau du CNC-PME et des forums qui peuvent être engagés par le CNC-PME. Tout ça, en principe, C'est le Conseil national consultatif qui doit les prendre en charge avec des experts. Il y a eu un appel à concours qui a été lancé. Il y a des bureaux d'études qui se sont manifestés. Maintenant, bien sûr, il y a la procédure à respecter, procédure de la Banque africaine de développement. Et en principe, le Conseil national consultatif a ces 3 projets. Mais vous allez donc, en termes clairs, réaliser cette cartographie pour donner une meilleure visibilité sur le potentiel existant, parce qu'on n'a pas de visibilité C'est le but. C'est le but. Vous allez la réaliser, Monsieur Bensassi? Enfin, avec le. De 2012 à aujourd'hui, c'est quand même long. Hein. Non, ça a été long. De 2012, la procédure qui a été mise en place par la Banque africaine de développement, le ministère, notre ministère de tutelle, le ministère des Finances, etc. Ça a été un peu compliqué. Bon, mais maintenant, on y arrive. Maintenant, il faudrait qu'on nous laisse travailler et qu'on puisse avoir véritablement cette étude faite par des experts, hein, non pas le Conseil national consultatif étant partie prenante. Mais aujourd'hui, avec la diversité de ces instruments qui sont mis en place pour booster la petite et moyenne entreprise, il y a le Conseil national consultatif de la promotion de la petite et moyenne entreprise que vous présidez et vous avez été réélu à cette tête récemment. Il y a l'Agence nationale de promotion de la petite et moyenne entreprise. Il y a le Fonds de garantie de la petite et moyenne entreprise. Aujourd'hui, on a créé la Direction générale de la petite et moyenne entreprise au niveau du département ministériel de l'Industrie et des Mines. Est-ce que vous pensez pas qu'on a créé des instruments qui s'avèrent aujourd'hui être quelque part inefficaces? Non, vous avez raison, en parlant peut-être d'inefficacité.
tout dépend de la volonté, du bon vouloir de tout un chacun. En ce qui concerne le CNC, qui est auprès du ministre de chargé de la PME, nous faisons tous les efforts, mais avec les moyens que l'on a. Quant au reste, c'est leur problème. Et c'est évident qu'il faut travailler en harmonie, il faudrait essayer de conjuguer tous les efforts pour arriver au but recherché, ça veut dire le développement de la PME. Alors, merci pour cette première partie de l'invité de la rédaction. Monsieur Zahim Bensassi, on vous retrouve pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction où 5 minutes seront consacrées aux questions des auditeurs. A tout de suite. Merci. Alors, monsieur Zahim Bensassi, aujourd'hui, la politique de l'Algérie, l'objectif, c'est de se déployer aussi à l'international pour compenser un peu les pertes en devises que nous avons subies par rapport à la baisse du prix des hydrocarbures, 50% de moins de nos revenus. Est-ce que c'est un pari gagné ? L'exportation, dans l'étape actuelle. Non, ce n'est pas un pari gagné parce que d'abord, l'exportation actuellement fait l'objet d'une attention particulière de la part du gouvernement. Nous avons organisé une rencontre avec une vingtaine d'exportateurs avec Sim Saoudi, qui est directeur général au ministère de l'Industrie et des Mines. Je sais qu'il y a des conseils qui sont organisés pour trouver les facilitations nécessaires pour les exportateurs et nous devons absolument multiplier le nombre d'exportations. Il y a un travail qui est en train de se faire, je pense que c'est un travail qui est important, il faudrait le suivre. Mais ceci étant, pour revenir à la PME et à sa création et à son développement, nous avons plusieurs niches. Nous avons la sous-traitance. Et il faudrait dans ce sens que les futurs investisseurs étrangers soient contraints de former les sous-traitants dont on a besoin. Si vous prenez le cas de l'automobile, il faudrait qu'on ait des équipementiers qui viennent et qui accompagnent ces constructeurs automobiles pour tisser un tissu de sous-traitants. Il faudrait aussi, dans le cadre des accords que l'on a ou qu'on est en train de renégocier avec l'Union européenne, il faudrait des débouchés pour nos produits. Il faudrait aussi que l'on ait la normalisation, nos normes. Et il y en a déjà, mais peut-être faudrait-il en faire encore un effort supplémentaire pour qu'on arrive à des normes internationales. La normalisation, c'est un projet qui est en débat actuellement au niveau du Parlement. Est-ce qu'il faudrait, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Bensassi, il faudrait qu'à l'avenir, avec les constructeurs automobiles qui s'intéressent au marché algérien, puisque nous savons, Renault est déjà installé en Algérie, il y a les Allemands, les constructeurs aussi intéressés par le marché algérien, dans le véhicule utilitaire également, d'autres constructeurs, comme par exemple les Italiens, sont intéressés par le marché algérien. Il faudrait mieux négocier nos contrats, contraindre les constructeurs, par exemple, un taux d'intégration de la sous-traitance à hauteur de 70%. Beaucoup de pays le font. Non, il faudrait aller vers ça. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Il faudrait que l'on arrive justement à un taux d'intégration intéressant. Alors, mieux négocier nos contrats. Mieux négocier nos contrats. Mais tout dépend. Vous citez le cas de Renault. Renault va fournir 20 000 véhicules. 20 000 véhicules, ce n'est pas suffisant pour qu'un équipementier s'installe. Mais par contre, s'il y a d'autres constructeurs étrangers qui viennent s'installer, qui viennent avec leurs équipementiers et autres, on pourrait à ce moment-là organiser notre sous-traitance, organiser les futurs entrepreneurs dédiés à ce secteur d'activité qui est très important. Il peut créer des centaines d'entreprises. Et ça, nous ne l'avons pas fait, malheureusement. Mais peut-être qu'actuellement, les choses vont changer. Mais est-ce qu'on en a les moyens et les capacités aujourd'hui par rapport à nos TPE et nos PME? Est-ce qu'elles sont aux normes également, M. Bensassi, par rapport au niveau de la sous-traitance? Bon, vous parlez aussi de la mise à niveau des entreprises. Bon, il faudrait que ceux qui se consacrent
à ce secteur soit à même de réaliser. Il faudrait qu'ils maîtrisent une technique, il faudrait qu'ils soient eux-mêmes gestionnaires et techniciens en même temps. Il faudrait que celui qui s'engage dans la filière plastique ou la filière mécanique soit à même de relever le défi. Vous savez, les équipementiers ou les constructeurs font des audits pour savoir si ces entreprises sont capables ou pas. Justement, par rapport à cette question que vous soulevez, nous savons qu'à partir d'avril, c'est-à-dire ce mois d'avril, les sièges de Renault Symbole seront fabriqués à une usine de Wattie-Lillet par un équipementier qui a été justement validé et qui est algérien, ce sous-traitant de Renault Algérie. Production crée pratiquement 110 emplois directs. Est-ce qu'il faudrait aussi qu'ils soient, ils se mettent tous au nom pour... Ce n'est pas un équipementier, c'est un sous-traitant. Renault a sélectionné trois sous-traitants, un peu le siège, le plastique et la câblerie. C'est un début, mais ce n'est pas suffisant. C'est un début, mais ce n'est pas suffisant parce que Renault importe des éléments entiers, des ensembles. Ça veut dire le train avant, le train arrière, le moteur, etc. Ils font de l'assemblage. Bon, c'est un début, que les sièges soient... Même le câblage sera fourni par un sous-traitant algérien situé à Tlemcen. Voilà. À partir du mois de juin. C'est déjà un début. Pour moi, c'est insuffisant, c'est nettement insuffisant. Mais disons, c'est un début. Mais si les autres constructeurs s'installent, le développement de la sous-traitance dans le cadre de l'automobile va connaître un essor important. Est-ce qu'il faudrait c'est-à-dire encourager énormément ce segment, puisque nous avons aujourd'hui des constructeurs qui il faudrait former, il faudrait mener une véritable campagne de sensibilisation à travers tout le pays, les universités, les centres de formation professionnelle, et sensibiliser les gens pour aller vers ce secteur qui n'est pas effectivement un secteur facile, il est technique, mais il est à la portée de beaucoup de monde qui voudraient bien monter leurs unités de fabrication. Alors, le taux de mortalité des entreprises aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir des estimations, Monsieur Bensassi? Bon, on estime entre 10 et 15%. Voilà. 10-15%, c'est important par rapport au niveau... Oui, c'est important ou pas, mais encore une fois, on n'a pas de statistiques réelles. On a une absence d'informations. Il faudrait qu'on arrive à maîtriser cette information. Comment voulez-vous définir une politique ou une stratégie si vous n'avez pas à votre disposition des statistiques? Et ça doit faire partie du futur. De la future demande de ce que peut-être les éléments d'information disponibles et mettre à disposition des autorités. Alors, des questions des auditeurs, M. Bensassi. Des PME industrialisées dotées d'une technologie de pointe ainsi que l'investissement en l'humain, c'est-à-dire la main-d'œuvre qualifiée, nos PME touchent des secteurs morts, c'est-à-dire ils investissent tous dans les mêmes créneaux. Quel est votre commentaire ou votre réponse par rapport à cette question de l'auditeur? Non, qu'est-ce que vous pensez, créneaux morts? Vous pensez à l'agroalimentaire? C'est pose cette question, oui, qui dit on va vers les mêmes secteurs. Oui, parce qu'il y a des secteurs faciles, des secteurs difficiles. Si vous prenez la mécanique de précision, effectivement, ce n'est pas un secteur facile. Mais il faudrait que les gens aussi s'impliquent à travers une formation. On ne peut pas toucher, par exemple, le secteur pétrolier si on n'a pas la maîtrise de la technique. Et il y a des secteurs stratégiques, il faudrait vraiment maîtriser cette technique. Mais tout s'apprend, c'est pour ça que je mets l'accent sur la formation. La formation est vraiment indispensable. Il faudrait revenir aussi sur tous les rapports qui ont été faits, notamment par le CNES. Il faudrait voir aussi tout le travail qui est en train de se faire par le ministre de l'Industrie et des Mines, Bouchouel. Il fait un travail extraordinaire. Mais tout ça va être, disons, mise à profit
dans l'avenir, les résultats ne peuvent pas être immédiats, bien que la situation est sérieuse, bien que nous sommes contraints d'aller de l'avant, parce que nous sommes en difficulté et nous allons être de plus en plus en difficulté si on ne prend pas le taureau par les cornes, si les réformes ne sont pas entreprises. Mais par exemple, on parle du e-paiement. Alors que la ministre dit « nous allons passer au M-paiement ». Il y a un problème. Nous allons assister actuellement à une nouvelle révolution industrielle qui porte sur le numérique. Faut-il attendre que les autres soient à la pointe et nous toujours en retard? Ou alors faut-il aller à l'avant et prendre ce train qui est en marche? Ça, ce sont aussi des questions qui doivent être posées et étudiées au niveau politique. Mais est-ce que vous ne pensez pas que nous sommes tout le temps dans les constats sans passer à l'action de façon concrète et nous perdons trop de temps à parler des choses dont on parle tous les jours sans apporter les réponses concrètes? Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Et passer à la phase réalisation. Bon, c'est vrai ce que vous dites. On fait des constats, mais on ne passe pas à des phases de réalisation. Sauf que certains ministres le font. Vous allez encore peut-être me faire une remarque. Blara, ça a été réglé. La zone industrielle de Blara. De Blara, ça a été réglé. La SNS, Annaba, ça a été réglé. Le Hajar, on a le projet de garage billet aussi, c'est en cours. Voilà des choses concrètes. Est-ce qu'il faut en parler ou ne pas en parler? Et il faudrait que tous les ministres s'y mettent et que tout le monde apporte sa contribution. C'est une affaire de tous, l'économie. Ce n'est pas uniquement tel ou tel secteur. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit « Aujourd'hui, nous avons abordé la question des banques et le financement de la petite et moyenne entreprise. Hier, nous avons reçu M. Dubar qui a donné aussi quelques indicateurs. C'est le président de la BEF. Les banques, certains considèrent, financent les spéculateurs au détriment des producteurs. » C'est la question de l'auditeur. Quelle est votre réponse? Oui, effectivement, quand on voit le nombre de conteneurs et toutes ces importations, on peut se poser véritablement la question « Est-ce que cet argent sert à l'importation ou plutôt à la création ?» Et c'est pour ça qu'on demande qu'il y ait un assouplissement de ces règles d'octroi de crédit. C'est une vérité. Alors, autre question, tous ces dispositifs créés, c'est-à-dire dont on a parlé, l'Agence nationale de la promotion de la PME, le CNC que vous présidez, nous avons parlé aussi du fonds de garantie, tous ces dispositifs créés, il faudrait les déployer en local, au niveau local, et à proximité des petites et moyennes entreprises et les PME, les petites et moyennes entreprises, pour être en contact permanent, pour les soutenir et les aider. Bon, ne pas les centraliser. Je sais que la caisse de crédit de garantie s'est déjà déployée à l'ouest et à l'est. L'Andi est au niveau de toutes les wilayas. Le FGAR, non. Mais le CNC, nous avons des représentants à l'est, à l'ouest, au sud qui ont été désignés. Peut-être qu'ils ne font pas suffisamment de communication en direction des entreprises. Il faudrait qu'ils se déploient davantage. Ils vont se déployer. Ils vont entreprendre des actions. On va organiser des rencontres. Aller dans les régions aussi. Dans les régions, effectivement. Ne pas se contenter des hôtels, monsieur Spessassi. Non, vous savez, on n'a pas les moyens pour se payer de grands hôtels. On essaiera de trouver des sponsors pour justement apporter notre contribution. Alors, autre question, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, vous avez parlé des allègements de l'allègement de la fiscalité, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être aller pour les TPE, plutôt les toutes petites entreprises et les PME, aller vers la suppression peut-être de la TAP, la taxe sur l'activité professionnelle, qui est une lourde charge pour les petites entreprises? Oui, c'est une demande qui a été soulevée et j'espère qu'encore une fois qu'on va enlever cet impôt. Il est très contesté et je me répète encore, tout ce qui peut faciliter la production, il faudrait prendre les mesures pour le booster, pour le protéger, pour justement l'amener
à évoluer dans des conditions normales. Alors, je voudrais vous poser cette question que je trouve intéressante. La bureaucratie est l'ennemi en première ligne. Je viens d'obtenir un agrément au bout de 3 ans et demi pour une toute petite entreprise à caractère social. Entre-temps, mon budget a fondu. Quid du crédit bancaire ? Je vais être peut-être trop vieille quand je serai en mesure de faire mon marché, mon propre projet. Oui, bon, tout dépend pourquoi il y a eu ces retards. Mais c'est vrai, quand on lance un projet, on est jeune, et quand il aboutit, on est trop vieux. Bon. Après, on ne bénéficie pas des avantages ni de la TPE. C'est l'éternel problème de la bureaucratie. Et si on veut enrayer cette bureaucratie, il faut prendre des sanctions. Alors, est-ce que c'est possible de créer des offshore en Algérie pour les activités au sud de l'Algérie ? Tout dépend de la politique du gouvernement, s'il veut créer des zones franches ou pas. Ce serait une très bonne chose. Mais les allègements aussi au niveau de la Banque d'Algérie pour le transfert de l'argent ? Bien sûr. Pour la création d'entreprises à l'extérieur du pays ? Bien sûr. Jusque-là, c'est un peu réglementé. C'est trop réglementé. Et c'est difficile. Je pense qu'il faut changer les structures mentales vers une ouverture, un assouplissement et vraiment arriver à booster les porteurs de projets. Alors, autre question, et la dernière, M. Bensassi, par rapport à l'exportation aujourd'hui, c'est-à-dire avec l'Union européenne, on est en train de renégocier l'accord d'association. Il y a certaines dispositions qui vont être amendées à la demande de l'Algérie, qui peut le faire. Par exemple, le FIFO qui a été supprimé, le premier arrivé, premier servi. Aujourd'hui, on parle aussi de règles de réciprocité. On nous interdit d'accéder à leur marché. On va aussi revoir les dispositions à notre niveau. Est-ce que vous êtes d'accord sur Alors, ce principe ? D'accord, d'abord sur la renégociation de ce fameux accord. N'oublions pas que dans le cadre de cet accord, la mise à niveau des entreprises devait être faite. Mais vous avez considéré que c'était un échec déjà. C'est un échec du MEDA 1. Vous avez dit que c'était un échec. Oui, c'est un échec, je le dis et je le redis. C'est un véritable échec. Le PME 2, ça a porté sur la compétitivité des entreprises. Il y a eu des résultats parce que le directeur de projet, c'est un Algérien. Les Européens se protègent parce qu'ils mettent en place des normes. Et nous n'avons pas encore toutes les normes nécessaires pour protéger notre marché. Et s'il faut prendre des réciprocités, il faut le faire. L'Algérie ne doit pas être le déversoir de tout ce qui peut être produit en Europe ou ailleurs. Il faudrait qu'on protège notre marché d'une manière intelligente. Il faudrait que notre production, nos producteurs soient... soit encouragé et il faudrait absolument que l'on prenne conscience que la PME, c'est le fer de lance de l'économie. Un autre auditeur qui fait une critique, qui nous dit qu'il faut passer de la parole aux actes, paroles, on en a marre. Eh bien, entièrement d'accord. Et on l'a bien dit tout à l'heure, il y a des gens qui décident et qui sont actifs et d'autres malheureusement pas. Monsieur Zaïm Bensassi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et merci à tous les auditeurs qui nous ont contactés sur notre page Facebook. Et désolé pour ceux à qui on n'a pas pu poser leurs questions. Merci. Merci.